Welcome to the Math Computer. Please wait while the video loading. Salut à toutes et à tous amis, c'est Madkiller et on se retrouve sur Dungeon Siege pour la suite de notre aventure où on était complètement ouf en train de tuer plein de monde et on avait fait un beau carnage. Et est-ce que j'avais tout visité sur ce coin là? Tab. A priori ouais, j'avais tout vu. Donc c'est un épisode où je vais éviter de dire trop de conneries, en particulier sur ma copine puisque je suis absolument observé hein. Voilà, et du coup, je ne tirais pas trop de conneries à ce niveau-là, parce que j'ai envie de me faire frapper à la fin. J'en ai marre en plus. Voilà. Ok, on s'est déjà attaqué. C'est magnifique, on est reparti, allez hop. Donc on se casse de glaceur, mais je vous rappelle qu'on est parti chercher un mage sauvage qui s'est retrouvé enfermé dans la glace, je crois. J'ai spoilé un peu, mais on s'en branle complètement, puisque de toute façon, je suis obligé d'y passer. Donc comme ça... Puis c'est pas comme si j'avais fait que la moitié du jeu. Hein. Il y a encore tout le reste à faire que je ne connais pas du tout pour le coup. Donc, comme ça. Oh là là, écoutez un peu d'un coup, c'est dangereux. Ouais, on est encore parti. Oh, tu t'es fait avant ça. Et que s'est passé et puis voilà quoi, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de garder mes personnages avec des armes de main pour augmenter leur force pour l'instant surtout. Parce que oui, les sorciers, à différence d'un Diablo par exemple, ne peuvent pas porter un objet sous prétexte qu'ils sont sorciers et qu'ils ont de l'intelligence. Non, ils doivent porter des objets avec de la force aussi. Ça fait un peu chier, donc... Oulala, je suis un dangereux, moi je passe les corniches comme ça. Non, on peut pas y aller. Ok, tant pis. On repasse par là. On repasse par là, voilà. Ok. Corniches qui ne sont pas des légumes, hein, contrairement à ce que certains peuvent croire, ce ne sont pas des cornichons. Une hache droite, ramasse, cuir rigide, craquelé, c'est de la merde. Ensuite, hop, on va passer par là. J'en connais une qui se marre derrière. Alors, ah, il y a une peuple, beaucoup de peuple, trop de peuple, trop de ça. Magique. Je vais lui enlever la gueule. Ah. Et on y va, on se défile. Rappelez-vous quand même qu'au début nous étions juste un peu de fermé, attaqués par des pauvres couilles. Ces petits monstres débiles et qui ne savaient pas utiliser le feu et qui ont réussi à réincarner des morts en fait. Armure d'esprit, ça peut être pas mal ça. Donc tu l'as ramassé, mais c'est pas pour toi, mademoiselle. Donne-le à mon mage, qui est donc le fermier du début. Donc, il va y avoir armure d'esprit 6 niveau 12, parchemin de résurrection, celui-là je le garde. Quoique je peux mettre de côté en attendant. Convoquer une gargouille de jade, je ferai peut-être ça un jour, mais je le garde pour d'autres mages. Alors, j'ai récupéré un amulette, c'est lui qui l'avait récupéré. Un anneau, pardon. Non, ça peut pas être lui. Ouais, lui, il a un deuxième anneau sur lui. Anneau éventreur, ajoute 1 au combat au corps à corps. Et bah oui, c'est cool dans ce cas-là. Bâton de brûlure, tu vas donner ça à ton cheval. Gant de cuir clouté rude, du renard, défense 3, défense 4. Ajoute 6 en armure, 12 points de santé. Nécessite force 13, nécessite force 15. J'ai juste gardé sur moi en fait. C'est quoi ça par contre ça? Gant de cuir bouilli éventreur. Quelqu'un veut un café?
éventreur de vivacité. Défensif se nécessite force 16, ajoute 1 au combat au corps à corps, ajoute 1 dextérité. Putain la vache. Ah c'est peut-être pour ça que je te le laisse à toi en fait. 21 points de santé, ouais t'es pas plus inutile. Alors par contre fais gaffe, arc court de conception. Donc en fait vous tirez sur quelqu'un et vous êtes sûr de faire tomber enceinte. Alors attendez, ça fait 10, 16, 9 à 17. Plus 2% de chance d'infliger un coup performant, enfin, ouais mais ça vaut pas le coup quoi. J'espère que pour vous, cette année sera magnifique. Je sais, je reviens 20 minutes en arrière, mais c'est pas grave. Non. Oui, l'âne passe avant le... Donc voyons voir par où je peux passer. Je peux passer par ici. Donc on va jeter un œil par là. Oh, une crypte, magnifique. J'adore ce jeu pour ce concept de crypte. Non, vous avez entendu, c'est une crypte, c'est un peu la crypte, mais c'est rigolo. Alors, c'est clairement 3 contre 1, ça fait quand même, enfin 4 contre 1 même. C'est ce qu'on appelle la lapidation. Hein. C'est pas du tir en fait. Rappelez-vous que toute araignée est belle, toute araignée est une araignée morte. Hein, faut s'en rappeler de ça. Je vais jamais l'oublier. Donc on va faire le tour parce qu'il y a plusieurs tutos. Voilà. Attends, c'est bien ce qui s'en est. J'ai l'impression de travailler vite faire. Hop, on y va. On se déchaîne contre les golems de vie. Qui ont bien dépensé la gueule à mon mage. Qui a fait tout le monde d'ailleurs. Au passage, je vais prendre, parce que là ils sont tous en train de claquer en fait. Oh là là, cette musique. Vous n'entendez pas la musique? Alors, c'est pas vraiment une crypte. Hein. Vous avez plutôt une cave, vous voulez mettre. Ce qui est pas forcément plus intéressant. C'est peut-être l'anneau unique forgé dans les flammes du Mordor. Alors. Oh. Oh. Ça lui a parlé visiblement les flammes du Mordor. Alors, viens voir. Un truc comme ça, normal. Petite potion de mana. A priori, je suis déjà allé ici. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de lumière ici. Hein. Faut bien dire ce qu'il y a. En revanche, quelqu'un a ramassé un anneau. Et évidemment, personne n'ayant d'anneau, je vais devoir me faire chier à savoir qui l'a pris. Puisqu'on peut mettre 4 anneaux sur chaque personnage. A priori, c'est toi, non? Non, toi, tu l'avais déjà pris ton anneau. Alors, on va y voir. 29 points de mana. Qu'est-ce que tu fous avec un truc de mana, toi? Explique. T'es mage depuis quand? C'est le nain, il s'est dit putain, il y a un anneau quoi, ça vaut de l'argent. Là, il y a une fontaine de vie, mais j'ai pas eu besoin de la fontaine de vie.
Donc on va faire un petit tour un petit peu, voir ce qui se cache dans cette, cette superbe cave qui se trouve dans le milieu de nulle part. C'est là, on sait pas pourquoi, on sait pas qui c'est, on entre et on pille. Voilà, c'est ce que ça mérite. En tout cas, je sais pas qui c'est, mais c'est plein de thunes. Hein. Et vas-y que je te ramasse 150 pièces d'or. On s'arrête plus, hein. On y va au glaive et tout. Une potion de santé, une. Voilà. Alors, on va voir ensuite. Toc, 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 toc. Oula, oula. Petit lag, je sais pas pourquoi. Ça a lagué, ce qui est très bien. Alors on retourne au cœur de la cuisine, Schmitt. Alors, gants de cuir clouté, je m'en branle. Par contre, 220 pièces d'or, je prends. Ensuite, oh, c'est hein. C'est con. Ah, pu. Donc, il n'y a plus d'araignée. On a combien de temps de jeu, au fait, que je vérifie? Il y a 10 minutes. Ouais, ouais. Et qu'elle a pour 25 minutes. Minimum. Alors, je vais continuer d'avancer par là puisque je n'ai pas été voir par ici. Y a rien. Très bien. Bon, comme ça. Au moins c'est fixé. Un bâton dégradé. J'en trouve depuis le début du jeu, donc je pense pas que je vais continuer à en prendre. Ça botte des bâtons. En fait, les objets magiques ne vendent pas plus cher que ça dans le jeu. Ce qui est quand même vachement plus logique que dans un Diablo. On peut bien dire ce qu'on veut. Hein. C'est comme le coup des sorciers qui doivent porter, qui doivent avoir de la force pour porter les trucs, ça paraît plus logique que d'avoir de l'intelligence, quoi, ça. Ce qui m'a toujours plus ou moins dépassé, quoi. Je vois pas en quoi le fait que tu sois plus intelligent que les autres personnages du groupe te permet de porter certains vêtements. Enfin bon, là c'est le même genre, mais faut quand même avoir de la force. D'où le fait que je fasse frapper à mort, là, partout. Et par ici, a priori, il y a un truc. Voilà, c'est protégé. Ok, donc ça c'est un cœur. On va prendre un petit coup de. Là, un petit coup de boisson et puis on va y aller. L'arme à la main. Ramène sa potion de mana, c'est pour toi. Cabassé en feutre, bâton, bâton. Que de bâtons magiques ici, décidément. Dommage que ce soit si peu puissant. C'est pas très intéressant, un bâton pour ma voix. Peut-être pour le mage que je vais récupérer plus tard, ce sera peut-être plus intéressant pour lui, mais pour moi actuellement, pas du tout. Un bâton, c'est lent. Ça fait 60% de rien. Ah, je rentre tout. Pas sûr que j'ai bien fini comme ça. Oh putain, il y a une vidéo. Allez, on y va. Allez, voilà. Gardien en tête, le soleil est plus défendre, on va pas faire beaucoup, et puis je pense qu'on va attaquer facilement. Mes mules, faut que j'y fasse attention, mais ils sont pas fait attaquer, donc ça va. Parce que je les ai vus s'éloigner d'un coup, je pensais qu'ils étaient attaqués. Pas du tout. Alors, donc c'est par ici à plus le chemin. On va parcourir le chemin, on va finir. Pièces d'or, oh là là, on va finir trop riche avec ça. On a combien de pièces d'or? C'est indiqué nulle part, c'est magnifique. Bon, alors, comme ça. Bâton recourbé, blablabla. Par contre, je vais voir pour l'arc. C'est le Nabo qui l'a récupéré. L'arc fait 32 à 44 d'attaque, 12 mètres de tir, faible vitesse d'attaque par contre. Peut-être les vrais problèmes. Salut, Matou. Alors, oui, je dis bonjour à mon chat. Alors, ensuite, on va passer par où? On va passer par là.
Regardez-moi un petit peu ce coin, on dirait un tertre qui n'a rien à foutre. Ensuite, oui, l'inconvénient des filles quand on est en train de jouer, c'est qu'elles posent beaucoup de questions. J'ai peu de défense au personnage principal quand même. Allez, je vérifie si j'ai affaire un petit peu. T'as quoi sur toi? Alors là, je droite déjà, qu'est-ce qu'il faut avec toi là, je droite. C'est plus pour le nabo que pour toi, alors qu'est-ce que t'as? T'as un cœur bouilli sur toi, ça fait 39 de défense, bordel. Ah, magie de guerre, défense 3, amulette 8 bouts, 17 points de santé. Putain, t'as que des bons objets, comment ça se fait que tu claques comme ça toi? Ah, par contre, ça c'est plus intéressant pour lui. En effet. Donc ça c'était plus intéressant pour toi. Non, tu peux le porter non plus. Botte en cuir et ventreuse. Mais bordel, mais qu'est-ce que tu fous avec ça? Lapin compris, mais c'est pas grave, je vais mettre à l'autre. J'ai pas encore... je ne comprends pas comment j'ai fait mes répartitions d'objets dans la fois, mais... J'ai dû me lâcher un peu, quoi. Alors, bouclier de page, qu'est-ce que je fais avec ça? Ok. Peut-être pour le revendre, oui, c'est une bonne explication, effectivement, mais... Tant pis. Des gants de cuir, ça, on s'en fout. Hop! Qu'est-ce que je suis mal poli. Me glissant à l'oreille. Alors, rigole pas, on va t'entendre. Si on t'entend pas, on va chercher des gens. Alors bon, bah visiblement on arrive pas très loin de quelque part que personne n'a été marché ici. Ah si, pardon, on reprend le chemin, très bien. Ok, donc, encore un loup, mais les loups, quand vous en voyez un, sachez que quand vous avancez, vous en aurez d'autres. Hein. Voilà, ils sont là. Que j'ai pas baissé le niveau. Oui, je disais que je viens de me rendre compte que je n'ai pas baissé le son du jeu, ce qui fait que du coup quand il y a des phases d'action, vous ne pouvez plus du tout m'entendre a priori. Tant pis. Voilà. Alors on va y voir. Par contre, j'ai ramassé plein de trucs d'un coup. Alors j'ai du cuir de mage, ça sert à rien. Botte en cuir rude. Ça c'est ce qu'il avait sur lui. Je vais mettre plutôt là, parce que là. Je peux le porter, alors j'ai récupéré un coupe-jarret brillant. Nécessite intelligence 18, ce sera déjà pas pour toi. Et un hachereau de douleur inédit, donc ce sont des objets uniques, hein, je vous rappelle, les objets comme ça. Donc, ajoute 9 en armure, 9 points de santé, 19 points de mana, 1 corps à corps. Putain, vache. Ah, mais c'est qu'il peut le prendre en plus. Oh, le salaud. Ah, mais oui, il a augmenté sa force tout à l'heure. Alors, attendez, j'ai clémore vengeuse, plus 5% de chance de parer une attaque à distance. Ajoute 1 au combat à distance. Par contre, ça fait 25 à 47 de dégâts. Et ça fait 27 à 33. Mais en même temps, ça c'est carrément mieux. Donc je vais pas trop me poser de questions. On va changer comme ça. T'auras ton objet magique. A priori, il y a l'honneur de prendre ça. Pas encore.
le Naboo a un temps de retard sur l'autre. Et je suis passé de 8000 pièces d'or tout à l'heure à 11000 tout de suite. Alors moi, c'est bon, vous avez de la chance, hein, du fait que le son est très fort, vous pouvez entendre la musique du jeu, pour une fois. Donc, voilà, profitez-en bien, ça fait un peu Skyrim hein, sur les bords. Pour ceux qui connaissent Skyrim, écoutez bien les musiques. Ça ressemble énormément à ça. C'est pas le même compositeur, mais ça y ressemble beaucoup. Ah, c'est dégâts, je dois faire des dégâts perforants avec le truc que j'ai pas pu capter. Vous avez vu quand il tape, ça fait des traces violettes sur le. Hop, un coffre ici. Avec de l'or. Et j'ai encore désélectionné tout mon personnage, génial. C'est le vrai problème de jeu, c'est la gestion du personnage en fait. Du fait en plus on est toujours en groupe, c'est très compliqué. Mais en même temps c'était prévu pour jouer en multijoueur à l'époque, sauf que les serveurs ont fermé. Comme ça. Alors on va y voir par ici peut-être. Je suis allé, je viens de là. Donc ben, on va traverser ce pont en pierre au-dessus de je ne sais combien de mètres de hauteur. En fait c'est pas un pont, hein, c'est un pont naturel, pas un pont en pierre. Avec beaucoup de glace et de neige dessus, donc c'est pas. Des héros, donc ça passe, mais. Ça aurait été moi, je me serais certainement cassé. Oula. Ah, ce sont des guerriers de glace. Ah, une glace, ce sont des épées. De glace. Donc, je me suis toujours demandé si un jour elles fondaient ces épées, mais a priori non. De ce que j'en sais en tout cas. Alors par contre, elles font de 40 à 48 de dégâts. C'est plutôt pas mal, hein. Sont des grandes épées par contre. Des grandes épées, c'est pas très joli comme ça. Deux grandes épées, c'est plus joli. Alors. Hop, on va tout casser. Parce que c'est ce qu'on appelle un hooligan hein, en fait. Je pète tout ce que je trouve. Et voilà. Et t'es sûr que tu peux faire un petit mot pour tout le monde? J'ai bientôt fini la vidéo. Non? Non. Tu veux être timide, d'accord. Hop, alors on va repartir ici. Avalanche, ça. Ah non, c'est un bruit de porte. Ok, bon, on va rentrer dedans. C'est génial! Ah, c'est moins génial. Des marches de glace. Ça rappelle les lits. S'arrêter ici. Les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Alors encore une fois, je vous souhaite une très bonne année. Et puis, Home de l'Af et Ventreur, attention. Je peux quand même vérifier ce qu'il porte. Je vais peut-être lui donner un peu de Naboo parce que le Naboo, il a rien par rapport. En plus, oui, il a de la merde. Voilà. Âge droite d'augmentation, 3 points de santé par coup, 23 à 28, 23 à 30. Ouais. Je peux faire les médecins. Non, ça c'est mieux. Voilà, donc les amis, je vous souhaite encore une très bonne année. Et puis, vous inquiétez pas, la chaîne va continuer normalement. On reprend le bon vieux rythme old school, pour ceux qui n'auraient pas noté, de une vidéo par jour.
parce que 2 vidéos par jour, mine de rien, c'est que ça me bouffe énormément de temps et que moi j'ai vachement mal à suivre. Et puis je vous dis à plus tard. Allez, ciao.